Donc, on a la MySchool Pointéenne où fait le cours de la vitesse instantanée de réaction chimique. Donc, marhaba bikoum, la suite de la cours, on va passer à la vitesse instantanée de réaction chimique. Kif kif, fait le mécanique, l'âme li fait qu'elle te zakrou, la vitesse instantanée, le V de T, il y a dx sur dt. Donc, kif kif, il y a bien sûr la limite, ainsi de suite, de la vitesse moyenne, lorsque, bien sûr, t de moins 1 tend vers 0. Donc, la définition de la vitesse instantanée, de même, c'est la dérivée par rapport au temps de son avancement. C'est la dérivée par rapport au temps de son avancement. Donc, vous pouvez trouver la définition détaillée sur le fichier PDF sur le site myschool.tn. Maintenant, pour l'expression. On veut, par exemple, la vitesse à un instant T1. Donc, on a la vitesse moyenne. On sait que pour la vitesse moyenne, c'est x de T2 moins x de T1 sur T2 moins T1 entre deux instants. Pour avoir la vitesse à l'instant, à un instant bien déterminé, c'est-à-dire à l'instant T1, je dois faire tendre l'instant T2 vers T1. Mais le dénominateur va être nul. Donc, je dois déterminer la limite. La limite de x de T2 moins x de T1 sur T2 moins T1 lorsque T2 se rapproche indéfiniment de T1. Et cette limite de x de T2 moins x de T1 sur T2 moins T1 n'est autre que la dérivée de x par rapport au temps lorsque T est égal à T1. Donc, d'une façon générale, la vitesse instantanée d'une réaction chimique, V de T, c'est dx sur dt. Voilà cette vitesse instantanée. Donc, on va passer à deuxièmement, donc détermination graphique de la vitesse instantanée. Détermination graphique de la vitesse instantanée. Donc ici, il peut se présenter trois cas. Le premier cas, on dispose du graphe de x, c'est-à-dire l'avancement x, en fonction du temps. C'est-à-dire le graphe qui représente l'évolution de l'avancement au cours du temps. Par exemple, on a t en minutes, l'avancement x en mol, qui a cette allure, ici le x final, et on veut déterminer la vitesse instantanée à un instant T1. Lors du rappel mathématique, je vous rappelle qu'on a montré que la dérivée d'une fonction f par rapport au temps à l'instant t est égal à t1, est égal à la pente de la tangente à la courbe à t1. Donc, pour la variation de x en fonction du temps, ou la variation d'un nombre de moles de réactifs au nombre de moles de produits, en fonction du temps, on n'a pas l'expression de x, on n'a pas l'expression du nombre de moles, on a seulement le graphe. Et on veut déterminer la dérivée à partir de la courbe. Pour avoir la dérivée à partir de la courbe, cette dérivée est égale à la pente de la tangente. Ici, je vais déterminer la vitesse à l'instant T1, c'est-à-dire la dérivée de x par rapport au temps à l'instant t est égal à T1. Je remarque ici que mon graphe, c'est x en fonction du temps.
et j'ai la dérivée de x. Donc, cette dérivée n'est autre que la pente de la tangente à la courbe AT égale à T1. Ça veut dire que je dois tracer la tangente à la courbe à l'instant T1. Donc pour cela, je prends deux points voisins, de préférence, donc par exemple moins 5 minutes, plus 5 minutes, je prends deux points voisins, de part et d'autre de l'instant, donc T1. Et je dois placer la règle, sur ces deux points. Je place la règle sur ces deux points. Et j'essaie de translater la règle. Pour représenter correctement cette tangente. C'est-à-dire, je place la règle comme ça. Et je la translate jusqu'à le point considéré. Et je représente la tangente, à la courbe. Donc voilà la tangente en ce point à la courbe. Maintenant, pour avoir la pente, je dois prendre deux points sur la tangente. Donc il faut faire très attention à cette chose-là. Donc ici, j'ai le x à l'instant T1. Je vais noter cette quantité x0. Je dois prendre deux points sur la tangente. C'est pas comme dans le cas de la vitesse moyenne, je prends les deux points sur la courbe. Ici, faites très attention, les deux points sur la tangente. Et la pente de la tangente, ça sera x de T1 moins x0 sur T1, et l'instant qui correspond à x0, c'est 0. Donc, j'insiste bien, les deux points sur la tangente. Et ainsi, on aura la vitesse instantanée à partir du graphe de x en fonction du temps. Passons maintenant au deuxième cas.